Salut à tous, on se retrouve pour ce... Oula, je relaye. Pour ce troisième épisode. Alors, l'épisode précédent était plein... Enfin, plein d'action. Oui, on va dire ça. Plein de fails surtout, plein de morts. Alors, j'ai trouvé le premier donjon. Enfin, mon premier donjon, je sais pas si c'est le premier de tous. Mais j'ai trouvé un premier donjon, et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, cette fois, il va falloir trouver beaucoup de fer. Parce qu'il va falloir que je me fasse une armure. Il va falloir que je me fasse des pioches en fer et des épées en fer, voire même en diamant si j'arrive à en trouver. Donc aujourd'hui, ça va être séance minage opti. Voilà. Donc je vous retrouve après pour quand une fois j'aurai trouvé toutes ces ressources, toutes les ressources nécessaires pour aller buter ce... Ou pardon, une installation qui vient de se terminer. Pour aller buter ce donjon, voilà. C'est dit. Allez, à tout de suite. Redstone. Fuck, j'ai pas de pioche en fer, putain. J'ai envie de dire alléluia. Bah j'ai envie de dire quand la journée est bonne, et bah elle est bonne. Hein. Voilà, bah, j'en ai trouvé. Voilà, ça y est, j'ai fait mon minage et tout. Alors, j'ai trouvé, comme je vous l'ai montré, une masse de fer, tout ce qui est là, tout ça. Donc, j'ai pu me faire une petite armure, une pioche en diamant, avec laquelle j'ai miné pas mal d'obsidienne. Je vais vous montrer tout ça. Je sais plus combien j'en ai récupéré. Et ben, 19, comme ça, j'aurai de quoi me faire un portail. Et une... table d'enchantement. Alors il faut de la canne à sucre, c'est vrai, parce qu'il faut un lieu, donc on va pas la faire tout de suite. On va enfin pouvoir aller affronter ce donjon. Donc voilà. Alors je pars avec ça. Et en plus le jour se lève, donc c'est parfait. Il y aura juste une araignée qui va m'attendre. Oula, en plus on va se mettre en phare. Je m'étais mis comme ça parce que en ligne c'est l'horreur. On va mettre un petit peu de smooth lighting histoire que ce soit un peu plus joli. Et voilà, bon, ça rame pas, c'est parfait. Bon, c'est le jour. Il y a des zombies, on va les tuer. Non, l'araignée elle a pas voulu me rejoindre. Alors j'entends un archer là, pas loin. Alors c'est par là, oui, ça charge. Alors on va essayer de se faire un petit Enderman, ça serait pas mal. Ah ça fait mal, alors... J'espère qu'il sera encore là l'Enderman et qu'il va pas pleuvoir entre temps, sinon il va se barrer. Bon bah il s'est barré. Ah je l'ai regardé. Ah oui c'est vrai. Ah il m'a vu. Viens là, toi, viens là. Tiens, vas-y, fais-toi mal en plus. Non, bah, il veut pas me voir. Désolé, petite coupure. J'ai beaucoup de problèmes techniques en ce moment. Et on va fermer YouTube parce que ça fait laguer. Et ça aussi, parce que ça fait laguer. Voilà. Ah oui, c'est là. Ah, ça fait plus joli avec les textures connectées.
Alors je vous annonce ça, ça va peut-être mettre du temps avant qu'elle sorte la vidéo, mais je vais me lancer dans le dans l'animation 3D. Je fais ça totalement par hasard. Enfin par hasard. Ça, déjà je m'étais lancé une époque pour faire des intros. Et c'était bof. Et j'ai regardé des tutoriels qui m'ont aidé à m'améliorer. Là, il y a vraiment beaucoup d'art. Et du coup, bah, je pense que je ferai déjà quelque chose de meilleur. Ah non, ah d'accord, c'était pas un truc d'archer. C'est pour ça qu'elle vient de... Ah ouais. Ok, moi je... Oula. Et elle spawn quand même. Et je comprends pas, il doit vraiment... Bon bah je vais le détruire celui-là. Voilà. Comme ça, j'espère qu'il n'y aura plus de... Donc voilà, je pense que d'ici un petit moment, vous verrez des vidéos de moi, enfin de mes vidéos en 3D. Ça, on va le garder parce que ça peut être bien pour farmer la poudre de creeper. Ah oui, aussi, j'ai appris sur cette map quelque chose. J'ai regardé des petites infos pour mieux connaître des choses. En fait... Il y a une recherche de disques qu'il faut faire aussi. Il faut trouver tous les disques qui sont cachés dans des coffres éparpillés un petit peu partout dans le monde. Donc ça risque de rallonger encore plus l'aventure, ce qui va être pas mal. Et il y a aussi d'autres coffres éparpillés dans tout le monde, qui sont cachés sous des arbres, de partout. Et j'ai remarqué sur la mini-map, que normalement j'avais enlevé, mais là que j'ai remis et que j'ai oublié d'enlever sans faire exprès, qu'il y avait des rondes fleurs. Alors, je sais pas du tout ce que c'est, mais j'ai vu qu'il y en avait éparpillé de temps en temps, et il faudrait aller voir, creuser en dessous, il y a peut-être un donjon, je sais pas. J'espère qu'il y a des donjons, comme ça, ça permettra d'en trouver un nouveau. Il y a vraiment beaucoup d'or, c'est pas mal ça, c'est pas mal fait. Je vais pouvoir me faire une armure contre les creepers, une armure bien classe. Ah, il y a un trou là-haut. Je me demande ce qu'il y a. Alors, on va prendre la cobble. Ouh, tous mes items, pardon. C'était pour quand j'étais en ligne, parce qu'on fait des vidéos avec Gamero, comme vous avez sûrement pu en voir. Et on utilise tous mes items pour se donner des trucs quand on fait juste des petites maps comme ça. Enfin, des mobs du style du golf ou des choses comme ça. Ah, en fait, il y a peut-être rien ici, parce que c'est peut-être le gars en posant l'or dans ses donjons qu'il a fait tomber du gravier. Ouais, je pense que c'est ça. Il a fait tomber le gravier en voulant mettre l'or et il l'a pas remis derrière. Bon, bah tant pis, faux espoir sûrement. Bon, hop, il en reste. Premier donjon accompli. Excusez-moi, ouais, pardon. Oh, j'ai beaucoup de problèmes. Alors, on va aller reposer tout ça à la maison et on va partir explorer un petit peu. Parce que c'est pas tout, c'est bien beau de rester dans sa maison pendant 3 épisodes, mais il faut bien partir explorer pour trouver des coffres et de la ressource. Enfin, de la ressource des donjons et tout ça. Donc je sais pas si, non, je vais m'attaquer à la vallée d'abord parce que la montagne ça m'inspire pas trop pour l'instant. On va prendre de quoi se faire un petit abri au cas où, donc tout ce sera pelle, pioche, un petit attirail et de quoi se repérer, donc pas mal de torches, de la bouffe et des, voilà, donc voilà tout. Alors on va prendre de la cobble en masse parce que de toute façon j'aurai pas de place dans mon coffre. On va poser ça aussi. Non, on peut pas. Je vais garder mes 41 torches, je vais prendre mes pioches, voilà. Je vais prendre ma pioche en diamant, mon épée en diamant aussi, je vais la prendre. On va prendre une hache au cas où on trouve du bois. Ça on va poser, ça aussi, ça aussi, ça aussi et ça aussi.
On va mettre celle-là ici, celle-là là. Ça, on va le mettre là parce que ouais, je vais en profiter pour couper pas mal de bois. Et allez, oui, non, j'ai pas de pelle. Bon, c'est pas grave, on s'en fout, on s'en fera une là-bas. Allez, c'est parti. Dans la canne à sucre, j'ai pas envie de la récupérer, j'ai la flemme. Alors, on va aller voir là-bas. Un petit arbre qui. Je vais pas couper ici parce que ce sera quand je serai là-haut, comme ça j'aurai toujours, toujours du bois. Ça éviterait d'aller à 3 km pour aller couper du bois, même si je sais que je peux le faire pousser, mais bon. Il y a une vache. On va aller la tuer avec une violence sans sans précédent. Tiens, meurs. Ouais, en plus elle me donne 3, ça c'est pas mal. Ouais, mais elles sont généreuses ces vaches. Ah non, pas toi. Toi tu mériterais que je te retue une deuxième fois. Je vais me venger sur ta copine. Ah, tu vois, elle, elle est gentille. Oh là là, j'ai déjà plus de bouffe. Bon, ben, on va aller couper de l'arbre un peu. D'ailleurs, je vais enlever la mini-map parce que ça ne sert à rien. Ça me bouffe l'écran et c'est la triche. Oh non, j'aime pas les arbres mutants. Oui, j'appelle ça des arbres mutants parce que par rapport aux petits arbres bien gentils comme ça, il y a des branches de partout. C'est infernal à couper. Voilà, bon, c'est parti pour 3 heures de coupage d'arbres. Voilà, c'est passionnant de couper de l'arbre. Regardez ce bûche, ça permet d'avoir un petit étage et d'en couper un peu plus. Là, je vais me mettre en face histoire de voir à travers où sont les branches. En fait, ici plutôt. Ah, c'est mieux. On voit ici, là, là et là. Et la petite musique qui rend toujours bien. Ah, il y a vraiment des branches de partout. Avec ce genre d'arme, on peut avoir presque un stack de bois, ça fait pas mal. Et c'est ultra chiant à couper. Bon, je crois que je l'ai fini. Voilà, j'ai fait ma réserve de bois. Vous voyez, 25 bûches de bois brut. Ou un coffre. Et un disque. Ah, ça c'est bon ça. Ah d'accord, ah oui, il les a vraiment cachés sous les arbres. Hein. Donc, le gars sur le forum, il disait que ça pouvait vraiment se trouver partout. C'est vraiment partout. Oh là là, il y a encore une bûche là-haut. Mais ça... Enfin bref, on va continuer à couper des arbres. Au cas où. Ah, tiens, tant qu'on est dans les trucs bizarres, ça se voit, il y a quelque chose là-dessous. Hein? Non? Ah, dommage. Ça fait une croix, peut-être qu'il faut creuser, non? Bon bah, tant pis. Ça m'aura fallu user ma torche hein, pour creuser. Il y a beaucoup d'animaux ici, c'est pas mal. Va falloir que je me coupe des moutons. Je tue des moutons pour récupérer la laine et faire un petit lit. Ça évitera d'attendre la nuit. Pour l'instant les zombies j'en ai pas trop besoin. Les poulets, ça donne de la bouffe. Toi tu crèves. Une ligne de fleurs, non? Oh mais non, je vais voir des trucs partout. Et la nuit qui se lève. Donc on va vite couper le dernier. Enfin couper. Tuer le dernier mouton. On va se creuser un trou à rats. Il y a déjà des zombies. Ah non. Paranoïa quand tu me tiens. Oula, il fait noir.
En plus, il y a des bêtes de lumière, ça c'est parfait. On va se faire une table de crafting. Comme ça, je vais pouvoir me faire mon petit arbre. Mon petit lit. Voilà. Mouton qui mange. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu mon autre laine, j'allais me dire où elle est passée. Ce qui est bien, c'est qu'on peut utiliser n'importe quelle laine. On peut prendre une laine de chaque couleur, ça fera un lit. Pareil pour le bois, quand on prend un bois de chaque couleur, ça peut faire quand même un outil. J'espère juste que je vais pas crever. Non, il veut pas me mettre dans le lit. Faut peut-être creuser quelque chose autour. Voilà. Sur l'épée au cas où. Quand il y a des zombies qui apparaissent, comme dans la 1.8. Et voilà, on va récupérer la petite table de crafting. Ça évite de gaspiller du bois. Notre Lily. Et notre torche. Ah, un Enderman. Ah, c'est peut-être celui qui m'en voulait tout à l'heure. T'es où? Ah, t'es là. Toi, va mourir. Oulala. Toi, va mourir. C'est bien. Ah, c'est bien, toi, tu m'as donné de la poudre, pas comme l'autre au début du premier épisode qui m'avait rien donné. Oh là, j'ai envie de tuer tout le monde maintenant. Ouh, y a un zombie. Ouh, il y a du monde là-dessous. Ouh là. Voilà, c'est épique. Bon bah, y'a rien, tant pis. Je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose, vu qu'il y avait des zombies, mais en fait non. Bon bah, j'ai bien les boules. Maintenant, je vais bien fouiller sous les grands arbres, parce que s'il a caché des choses sous tous les grands arbres... Pff, radin. Mais je suis parano, mais non. Ah, toi, tu m'as pondu un œuf, c'est bien. Mais non, tu meurs. C'est quoi là-bas que tu aperçois? Ah, c'est pas des citrouilles. Ouais, ça marche pas de tous les cas. Dommage. On va aller voir. On va aller voir là-bas. Et on retourne sur les montagnes. Non. Je sais même plus où je suis de toute façon là, donc. Si on retourne sur les montagnes. Une citrouille. Bon, comme on trouve des choses sous n'importe quoi, on va fouiller sous cette citrouille. Aïe, je me rate encore un peu mon saut. Doué comme je suis. Il va falloir que je mange. Il faudra que je me fasse un coffre et que je récupère du charbon pour que je fasse cuire ma bouffe. Tout ce que j'ai récupéré. Et en plus, c'est une citrouille isolée, donc... peut-être que... On ne sait pas. Eh ben non. C'est encore un échec cuisant pour moi. Bon bah y a rien par là. Bah on va récupérer la canne à sucre qu'il y a là. On va tuer une vache, non, je sais combien j'ai de bouffe. Oh mon sauvage. Ouh, j'ai récupéré un arc, ah, c'est pas mal ça. Et j'ai pas de flèche. Ah, c'est dommage. Bon. J'ai la classe avec mon arc. Moi, je vais récupérer de la canne à sucre avec mon arc. Ouh, j'entends les zombies, là, sous l'eau. Enfin, je sais pas si c'est sous l'eau qu'ils sont, mais je les entends quand je suis sous l'eau. Ah, tiens. Ah non, je peux pas le tuer. Bon. On va essayer de s'éloigner. On va s'éloigner un petit peu. De toute façon, ouais. Je vois où sont ces montagnes. Si je pense que si je les suis, j'arriverai à ma maison. Non, cet arbre tout désagrégé là-bas. C'est celui que j'ai fait au début. Je crois que c'est par là. Si je le suis, enfin si j'arrive à cet arbre-là, je pourrais arriver à ma maison. Ouh, des champignons, pas mal ça. Pour les faire grandir. Et en avoir encore plus après. Deux. En plus, ceux-là, ils sont rares, c'est bien.
Bon, ben aujourd'hui c'est un petit épisode tranquille, hein. Je vous ai montré des petites images de ma séance de minage. Et là, ben, on se fait une petite balade dans l'univers, on découvre les jolis paysages. Ah, et j'ai filmé en écran 4 tiers, je suis désolé, le début était en 16 neuvième, enfin presque 16 neuvième, et du coup... ouais, bon ben... tant pis, hein. Je ferai plus d'erreur la prochaine fois, promis. Et je sens que je vais avoir un petit run out of memory, parce que j'ai le petit trait là sur le côté, donc si ça coupe... Ouh, bug de chunk, rien là-bas dedans. Non, bah apparemment non. Oh, encore des citrouilles. Je suis sûr qu'il y a des choses sous ces citrouilles. Et que là, je suis tombé sur les mauvaises. Alors, on va se remettre en face parce que ça évitera d'avoir un run-out. Voilà. Les poulets, faut les tuer à la main. C'est plus violent et surtout ça économise l'épée. Oh, mais où tu vas toi, où. En plus, tu m'as rien donné. Ah, ça vaut le coup de cavaler comme ça. Hein. Ah ouais, mais non, je regarde sous tous les arbres mutants. Il y en a partout en plus. Ton marron, on va le tuer lui. Je sais, normalement je devrais me faire une cisaille, mais bon, tant pis, hein. C'est pas comme si j'étais riche en fer aussi. Ah, en plus je me pourris mon armure en tombant comme un déterré. Oh, je vais pas tout récupérer parce que c'est chiant à récupérer les ces citrouilles, alors je vais juste garder celle que j'ai, je vais en faire. J'en prendrai une où j'aurai des graines. Oh, une entrée. Je l'avais pas vu ça. J'en ai une avec des graines. Ça me fera... ah, pas mal ça. Et je les planterai comme ça. Ah, ça c'est bien ça pour me faire des soupes. On va éclairer au cas où. Et en plus, ça me les fait tomber automatiquement. Hop. Bon, je sais pas du tout à combien de temps je suis. De toute façon, je peux faire beaucoup sur. Donc, je suis presque partenaire, on va dire. Donc, on s'en fout un petit peu du temps. On va récupérer ce charbon. Ah, souris de merde. Voilà, un petit peu de charbon comme ça, on pourra se faire cuire un peu de la bouffe. Bon bah je suis déçu, il n'y a rien eu, il n'y a encore rien eu. Ouais, bon. on va continuer d'explorer un peu. Je pense qu'il va y avoir pas mal de jours, on va faire pas mal d'épisodes. Ouh, un loup, tiens, je vais te le prendre. Et j'ai qu'un os, espérant que ça marche. Je croise mes mains cubiques. Et non, l'enfoiré, voilà. Toi, je te fais plus confiance, je vais même te tuer. Non, parce que s'il y a la meute pas loin, je vais te faire buter. Oh, la musique, elle m'a fait flipper. Jumpcraft. Hey, j'ai sûr que derrière les cascades aussi, il y a quelque chose. Enfin, j'en sais rien. Comme d'hab, ça va me fail, ça va me dire qu'il n'y a rien. Enfin, je vais voir qu'il n'y a rien au final. Mais bon, ça coûte rien d'essayer. Quand on reviendra, j'irai voir. Si j'y pense, bien sûr. Et j'ai faim en plus. On va manger les rotten flèches. En plus, au moins, ça va me refaire ma vie.
Désolé si je parle pas beaucoup là, je suis un peu fatigué là en ce moment encore. Bon, on va repartir par là-bas. On va essayer de pas se perdre non plus. Je sais pas, je serais bien tenté de monter là-haut, d'aller là-haut quand même. Oui, parce que monter là-haut, c'est comme descendre en bas. C'est un pléonasme. Et oui, parce qu'en gros, en Minecraft, on peut apprendre le français aussi. Ouh, jolie colline. Ouais, je l'avais vu cette colline dans le screen, dans les screens. Quand j'ai téléchargé la map. Et il y a un trou là. Il y a peut-être quelque chose, on va aller voir. Ah, ça va être la nuit en plus, on va se créer un trou à rats là-dedans. Il y a vraiment des poulets et des animaux de partout. C'est bien ça. Au moins on est sûr de pas crever de faim dans ce monde. Alors, c'est où ce trou? Oula, je sais même pas si j'y suis à côté. Je sais même plus où il est. Bon, je suis peut-être passé au-dessus. Ah non, il est là. Bon bah y'a rien. Epic fail encore une fois. On va se refaire un petit trou. Poser une petite torche là. On va se faire un petit trou pour dormir tout simplement. Voilà, on va éclairer un petit peu. On va s'enfermer littéralement. On va sortir notre petit lit. Et oui, parce que je suis musclore, moi je peux porter un lit à bout de bras. Vous me voyez? Petit lit à bout de bras, normal. Voilà. On va sortir, on va récupérer ça. C'est où la sortie? C'est là. Je sais pas si vous verrez beaucoup de choses, là, si vous verrez grand chose. On va monter. Aller voir ce qui se passe là-haut. Creeper, je savais pas qu'ils avaient le temps de spawner pendant qu'on dort. Je sens que cet épisode va être hyper long. Enfin, j'ai dit ça, après. Je sais pas, on verra. Oui, je dis toujours on verra aussi. Pas quelque chose de suspect là? Non. Je serais curieux de savoir à quelle hauteur elle est, cette petite colline toute ronde. Enfin petite, ça se trouve elle est très haute. Bonjour monsieur. Tu vas mourir? Ah ça fait mal hein. La rotten flèche pour avoir à manger. Alors je vous le dis tout de suite, hein, si je me perds, je vous ferai pas subir ça, donc bug, je reviens tout de suite. Oui, donc je disais, si je me perds, je vous ferai pas subir ça, je filmerai pas pendant que je reviens, ça évitera que... Oui, si je creuse en dessous des arbres, c'est depuis que j'ai trouvé l'arbre avec le coffre en dessous, je creuse pour voir. Je vais aller voir les petites cavernes qui sont en dessous. On sait jamais s'il y a quelque chose. Ah oui, je parlais de curiosité aussi, voir à quelle hauteur on était. 181. Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Je crois que déjà la map, naturellement, elle est assez haute. Et je me fais mal. Comment gaspiller? Ah, ouf, un coffre. Un arc. Ouh, ah, ça c'est bon, ça. Ça c'est de l'arc. Alors on va balancer quoi? On va balancer la fleur, allez. Et j'ai un bon arc comme on l'a maintenant. Flamme 1, ça c'est bien. Mais bon, c'est pas un disque quoi. Oh, bah t'es mort d'un coup toi. Tu es du cochon. Ben, je suis bien content, deux coffres j'ai trouvé.
deux coffres, un donjon. Ce serait bien de retrouver quelques coffres encore avant de trouver les donjons. Enfin avant, si j'arrive à trouver un donjon c'est bien aussi. Mais pas trop loin, il faudrait au moins que je sache y retourner parfaitement. Parce que là si je meurs, je suis dans la merde parce que je perds tout. Et en plus, si je trouve un donjon, je me barre vite en courant déjà. Et peut-être que... Ouais, je dis de la merde. Hein. Et en plus, j'ai faim. Voilà. On va prendre notre bouffe. Manger du zombie. Vous avez vu les zombies, vos mains? Je vais manger une. Hein. Ah, en parlant de zombies. Quatre coups. Avant c'était deux coups. Une épée en diamant. Maintenant c'est descendu à quatre coups. Quand on n'est pas trop proche. Qu'est-ce qu'ils disaient ça? Aïe, aïe. Oula, mais je découvre complètement. Aïe. Ah, oula, c'est joli ça. Non, bon bah, je suis pas monté. Derrière les sources, y'a pas quelque chose? Non, on va voir. Non, y'a rien. Derrière l'eau, il y a de l'eau. Oui, ça fait une jolie cuvette, on dirait. Bon, on va pas faire trop durer l'épisode non plus. Je vais vous laisser là pour cet épisode et on se retrouve au prochain. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de pouce vert s'il vous plaît. Et partagez la chaîne si vous savez que des amis aiment Minecraft. Voilà, allez, bye, à la prochaine.